Run for your life, I'll cover you. Voici le prochain épisode, en fin de vidéo. J'avais des amis, des tas d'amis, soudain et vain. Notre ami sans amis essaie de nous toucher, quoi. Étrange, bizarre, bizarre. Pas totalement convaincu, hein, désolé, mais... Ça va, là, rabat-joie, oh. Je dis bizarre, comme c'est bizarre. Ouais, enfin, tu peux prendre la porte, on va discuter entre nous, merci. Toy Story est sans aucun doute un de mes Disney préférés. Il y a une ambiance autour de ce film qui me rappelle tellement de bonnes vibes, de bons souvenirs. Alors ça, par contre, j'avais oublié ce côté humain creepy. Là, c'est bizarre. La petite va bouffer ton âme. Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. C'est quand même important, hein, de souligner toutes les valeurs qui se trouvent dans ce film. Frank. Non mais pas ça, oh. La notion de recyclage du jouet, par exemple, hein. Prendre soin de ceux qu'on a déjà. Oui, je suis ton ami. Oui, enfin bon, quand je dis prendre soin d'eux, c'est pas forcément dans ce cadre-là. En tout cas... Fuck you. Oui, bah c'est peut-être juste un enfoiré avec ses jouets, ça c'est possible aussi. Ah, son of a bitch. Woody, crois-moi, t'es bien le temps. À partir de 3 ans et demi, regardez ma boîte. On est donc dès le départ sur une famille d'irresponsables, hein. Je vous rappelle qu'on est dans un Disney. Et qui dit Disney dit... Situation familiale compliquée. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, si vous permettez. Convoque-moi tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Réunion au sommet, les amis. L'histoire commence donc dans la chambre d'Andy. Dans un monde où les jouets prennent vie lorsque les humains ont le dos tourné. Et dans le monde d'Andy, c'est le cowboy Woody, le Big Boss. Quelle allure, quel... Dégueu. Le seul cow-boy sans revolver en passant, hein. T'es au courant qu'on est aux États-Unis et qu'Andy a probablement un Uzi caché sous son lit, Woody. Ouais, c'est possible. Je suis pas Andy, moi. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai un crâne rasé à la place des balls. Woody, je voulais te remercier d'avoir sauvé mes moutons. Oh, ça. Alors, à ce soir. Si un amour platonique te tente, je suis dispo, tu sais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Andy. C'est les guirlandes du magasin, celles que je voulais. Oh, c'est génial, c'est trop cool, en bon sens, tu les as. Ce sont des guirlandes, Andy, hein. Juste des guirlandes. Oh, génial, t'as aussi gonflé des ballons tricolores. Et évidemment, l'arrivée de nouveaux jouets pourrait s'avérer fatale pour certains d'entre eux. Ah, c'est sûr qu'il fait pas bon être une brigade 2, hein, dans ces cas-là... Je vais pas vous mentir, mais ça sent la tortilla, ça, les muchachos. Mais jouer entrant, c'est les premiers qui dégagent. Du coup, pour se préparer à toute éventualité possible, une brigade d'élite est dépêchée sur place. Où sont-ils? Hein? C'est glorieux. Alpha, Alpha 2, descendez maintenant. Géronimo. Oui, enfin bon, je vous rappelle que ce sont des petits jouets. Qu'en trouve, les gars, sortez de votre trou. Dis tout petits jouets dans ces cas-là. Oui, les voilà. On est donc visiblement sur une équipe du GIGN qui se prend très au sérieux, hein. Allô, cowboy en digne. Chut, c'est moi, t'es jaloux. Ici GIGN. Ça va aller? Non, je me sens pas bien. On a subi une attaque. José est penché à 45 degrés. Et ce qui devait arriver, arriva. Alerte rouge. Un FDP lui a offert un jouet. Un nouveau jouet vient perturber l'équilibre naturel qui s'était installé dans la chambre d'Andy. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Le seul jouet qui, visiblement, ne se rend pas compte qu'il en est un. Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Peut-être raté une réunion, je sais pas. Nous ne sommes que des jouets, n'oubliez jamais... Excusez-moi. Oui, Buzz? Est-ce qu'on est sûr de ce déguisement, hein? Parce qu'à la base, je suis quand même Buzz l'éclair, hein. Je suis pas une pâle copie de Neil Armstrong, si vous voyez ce que je veux dire. Pas faux. Ça suffit, taisez-vous. Bon, nous sommes tous... vraiment fasciné par le nouveau jouet dans... Jouet? On est sur un Woody qui peut déjà plus voir de l'astronaute, hein. J-O-U-E-T, jouet. Oh, pardonne-moi, mais... B-I-T-C-H, bitch. Faut dire que ses camarades sont plutôt taquins avec lui aussi, hein. Ça aide jamais vraiment dans ce genre de situation. Oh, un laser? Et toi, pourquoi t'as pas aussi un laser, Woody? Ce n'est qu'une petite ampoule qui brille. Et pourquoi t'as pas au moins un revolver, Woody, hein? Ah, t'es un petit malin, toi, hein. Hop là, je t'ai volé ton nez. Oh, l'enfoiré. Woody, reviens, c'est pas drôle. C'est du plastique, il ne peut pas voler. Je peux. J'ai trouvé mon compagnon de route. L'humeuse de bergère va. Encore une fois, nous sommes aux States. Le gosse, il va pas se contenter de jouer avec son nouveau jouet. Non, 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 non. Il va changer toute la décoration de sa chambre. Impossible à prévoir. Que se passe-t-il? Ah, ça ne regarde pas les rangers de l'espace. Ça ne regarde que les jouets. C'est si... Ça doit faire 5 bonnes minutes qu'on est sur un enfant qui a un fou rire solo dans son jardin, hein. Plus tôt on déménagera, mieux ça vaudra. En effet, Andy est sur le point de déménager. Enfin, lui et sa mère, à deux. Car comme je le disais, nous sommes dans un Disney. Et cette fois, c'est le daron qui n'a pas le droit d'exister. Bon, je te confirme que ton père entrera pas ce soir de nouveau, hein. Go Pizza Planet. Oh, trop bien, merci maman. Papa, c'est un connard. Salut, cowboy. Laisse-moi!
tout cas, tu portes bien ton nom, cowboy. C'est dur comme du bois là-dessous. J'ai aucun mérite, c'est toi. Woody sait pertinemment qu'avec l'arrivée de Buzz, il peut finir à tout moment dans un carton de déménagement au placard, tu vois. Mais bon, Woody est un cowboy. Cowboy, c'est littéralement le garçon vache, hein. Donc, vous attendez pas à des mesures diplomatiques. C'est encore le jour de jouer. C'est épouvantable, le pauvre. Oh là là, oui, c'est pas moi qui ai pété, hein. Assassin. Et ton sens de l'honneur, Troufion. Troufion. Oh, je me suis permis un petit écart, effectivement. J'y arrive. Repliez-vous. Comment je vais faire pour les convaincre que c'était un accident? Ah, ça va pas être évident, ça c'est sûr. Surtout qu'à la base, on sait très bien que c'était pas prévu pour en être un, mon salaud, hein. Buzz. On n'attaque pas un astronaute par derrière, cowboy. Bullseye. Ah, Andy. Il n'a pas vu que je n'étais plus là. Je me demande ce qui pourrait mettre encore plus les boules à Woody dans ce genre de situation. Journal de bord, Buzz l'éclair. Le shérif et moi sommes apparemment dans une... Suis-je bête? Tu n'es qu'un jouet en plastique. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Oui, tu me fais pitié. Bonne route. Ils parviennent finalement à retrouver Andy au Pizza Planet, un mélange entre une fête foraine et le Pizza Hut, si vous voulez. Maman, s'il te plaît. Andy. Mais avec un Buzz mentalement instable, qui n'a de cesse de vouloir retourner dans l'espace. Buzz. Un visiteur venu d'ailleurs. On est dans un endroit mal aéré, visiblement, hein. Ou un endroit qui tolère la weed, au choix. Super. J'en ai deux pour le prix d'un. J'aperçois ton baraquement. Nirvana en vue, les portes du paradis. Voulez-vous vous taire? Je pencherai plutôt pour la weed. Où est le campement rebelle, traître? Tes gaufres sont prêts. Super. La prochaine fois, si tu peux l'appeler un petit peu plus tôt, ça m'arrangerait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, plus jamais ce changement d'attitude en deux secondes, hein. Nous savons les moyens de vous faire parler. Cyril, il y a un documentaire sur Hitler à la télé. Super, j'arrive. Impossible à prévoir. Woody et Buzz se rendent compte assez rapidement de ce qui les attend s'ils dégagent pas Fissa de cet endroit malaisant, hein. Salut. Mais devinez qui a choisi le meilleur moment pour remettre en question son existence sur Terre. Le côté positif, c'est que maintenant je suis sûr, moi. Woody se retrouve donc seul à devoir raisonner Buzz, étant donné que son appel à l'aide auprès des autres jouets fut un total fiasco. Buzz, mais viens donc dire bonjour. Vers l'infini et au-delà. T'essaies de nous forcer la main? Pas du tout. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et heureusement, après avoir embobiné Buzz... Pourquoi veux-tu qu'Andy joue avec moi? C'est toi qui le veux, Buzz. Moi, il m'a déjà oublié. Pas ça. C'est faux, tu le sais très bien. On va retrouver Andy et tout rentrera dans l'ordre, je te le promets. Le tout sans avoir attiré l'attention du fils de Satan. Ils parviennent, enfin, à rejoindre les autres. Oui, c'est Buzz. Woody a toujours dit la vérité. Oui, enfin bon, on va pas débattre là-dessus, hein, mais on connaît tous les tendances criminelles de Woody. Et c'est ainsi qu'Andy retrouva ses deux meilleurs amis. Woody, Buzz. Prenant cette fois la peine de balancer parfaitement le décor de sa chambre entre l'univers de Buzz et de Woody, au détriment de tous les autres jouets. Le premier cadeau de Molly est... Jusqu'à trouver un rideau qui fusionne parfaitement les deux univers, dis donc. Une Madame Patate, je répète, une Madame Patate. Il faut que je sois rasé de frais. Eh bien, c'est déjà fini, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Avant que vous vous en alliez, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que je serai au Télévideo Games le jeudi 15 mars. Ensemble, avec plein d'invités super cool, on va soutenir le Télévi à lutter contre le cancer et la leucémie. Soyez nombreux, je compte sur vous pour être là, il y aura des cadeaux à gagner. La deuxième annonce, c'est que je serai du 16 au 18 mars, une nouvelle fois cette année, à la Medinasia, d'accord? Ça se passe à Bruxelles, je vous mets toutes les infos dans la description. J'espère vous voir encore plus nombreux que l'année dernière. Je vais faire deux séances de dédicaces par jour pendant trois jours, donc je vais rentrer, je crois, sur les genoux. Sur ce, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et n'oublie pas de voter dans les sondages pour le prochain MSF. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.